rencontré un jour près du square Montalon. Et cette famille Jauret, tout en portant son petit carton. Elle était mignonnette et comme il était beau garçon, il offrit deux sous de violette, fleur de la saison. Mais la petite en courroux lui dit pour qui me prenez-vous? Oh non, mais je suis une fille honnête. Oh non, gardez vos deux sous de violette. Mais le jeune homme plein de jugeote lui offrit toute la botte. Oh oui, qu'elle lui répondit. Il dit je vous accompagne, oh, monsieur fidèle en souriant. J'habite la campagne, je rentre chez mes parents. Garçon répond mamie, la campagne c'est le bonheur. Nous y chanterons ma jolie, l'amour dans les fleurs. On s'aimera dans les bois, mais elle répondit d'un air froid. Oh non, mais je suis une fille honnête. Oh non, s'embrasser dehors c'est bête. Le jeune homme lui dit bonasse, il y a bien un hôtel en France. Oh oui, que lui répondit. À peine dans la chambrette, il la couvrit de baisers fous. Elle dit qu'est-ce que vous faites, mais il ne répondit rien du tout. En moins d'une minute, le jeune homme fut triomphant, sans lui laisser dans la lutte, tant crier maman. La petite mère furieuse dit ça c'est dégoûtant, monsieur. Oh non, moi qui suis une fille honnête. Oh non, comment la chose s'est-elle faite? Le jeune homme plein de complaisance dit voulez-vous que je recommence? Oh oui, qu'elle lui répondit. Rentrée chez elle, la gosse raconta tout à sa maman, qui cria cette atroce, dis-moi le nom de ton amant. Il t'a donné, je suis sûre, son adresse pour un rendez-vous. Non, il ne m'a, je vous jure, rien donné du tout. La mère en entendant sa fille, mon Dieu, qu'est-ce que j'apprends là? Oh non, vraiment tu n'es plus ma fille. Oh non, c'est honteux pour la famille. Si jamais tu recommences, mais fais-toi donc payer d'avance. Oh oui, la petite réponse.